Adir sait ce qui est bon pour nous. S'il envoie des regards, obéis-leur. S'il envoie des lords, écoute-les et sois reconnaissant de leurs préceptes. Ils détiennent le savoir à toi. Adir est ton salut. Écoute, apprends, crie. Adir t'entendra. Adir t'aidera. Réfugie-toi en son sein.
Ça y est, Arkin, ça y est, j'ai enfin compris. Cet endroit, le savoir, c'est cet endroit tout entier. Ce grimoire que ma famille m'a laissé à sa mort, c'est une carte. Depuis le début, c'était une carte, et je vais enfin pouvoir la lire. Je brûle, il faut que je déchiffre ça. En attendant, tâchez de découvrir ce que cache cette grande porte. La réponse doit se trouver quelque part dans cette tour.
Le savoir d'Adir est éternel. L'esprit de l'homme est limité, de même que son temps. Il ne saurait en être autrement. Tel est le plan d'Adir. La société est son œuvre. Il est la société. Grand Antanas, si depuis tout ce temps, il a été impossible d'entrer dans la main d'Adir, c'est qu'une certaine force est à l'œuvre. Tous les récits de ceux qui ont exploré cette salle ont un point commun. Quelque chose les a traumatisés.
pas de mal. Quoi ? Ce que je cherchais depuis tout ce temps, c'est lui ! Comment ça ? C'est pas possible. Je vous jure, j'ai décrypté le code et la clé, c'est lui ! Il est... prisonnier de l'espace-temps ! Si nous le libérons, il pourra m'emmener avec lui et retrouver ma famille. Qu'est-ce que vous racontez encore ? Ma mère n'est pas morte. Elle m'a laissé ce grimoire pour que je la retrouve. C'est difficile à expliquer, mais seule cette créature peut me conduire à elle. Quoi, cette chose ? Vous pensez qu'il va vous parler ? Il sait pourquoi je suis là. Je crois qu'il dit que le temps presse. Si ça vous tient tant à cœur. Oui. Thank you.
Ah.